Yo tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien, moi c'est super bien. Alors aujourd'hui on se trouve sur Black Ops 3 en custom zombie sur la carte Einrichtung des Todes, donc c'est parti. Donc je sais pas si c'est une map espagnole ou une map allemande, enfin le nom, vu le nom, à voir. Donc la carte, je vous cache pas, je l'ai déjà faite. En fait j'ai fait toutes les cartes que je vais vous proposer, les 5-6 cartes que je vais vous proposer d'ici à la suite. Je les ai déjà faites une fois, c'est juste que quand je les ai enregistrées, donc au début je les ai enregistrées en mode découverte, et il s'est passé que en fait quand je lance Black Ops 3, il coupe mon micro, enfin il désactive le niveau de mon micro, il le met à zéro, et du coup bah ça fait que mon micro était désactivé, donc les 6 vidéos de bien profond, il y avait quand même 2 ou 3 heures de vidéo. Bon c'est pas grave, ça se refait, mais bon, ça fout quand même la mort. Donc du coup bah voilà, j'ai dû refaire la map et je la connais par cœur. Enfin je la connais par cœur, je la connais parce qu'elles sont pas non plus hyper immenses, hormis peut-être Fabrique des Antoton, je vous en ferai en dernier je pense. Enfin, voilà. Alors, la petite salle, on commence dans une espèce de. On dirait tu sais, un four crématoire ou des catacombes, voilà. Il y a 3 fenêtres, donc une là, une autre là et une autre là-bas. Donc là on a le Quick Revive qu'on va s'empresser de prendre. La RK5 pour ceux les intéressés, donc je vais prendre aussi. Hop, il fait plaisir ce petit RK5 qui met pas mal de points. Donc là je sais pas s'il y a quelque chose là. Oh non, ça a pas l'air. Bon, ok. Hop là. Donc là-bas vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, il y a la Sheba aussi. À 500. Et moi perso je préfère le RK5. Bim 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 bim. On va essayer de se faire un peu de points. Donc là je vide mes balles de pistolet de merde là, histoire de cumuler assez de points, voilà. Et ensuite on ressort le RK6. Ah c'est pas mal, ça permet de bien doubler. Je vais prendre la bombe mais faut m'éviter. Autant profiter qu'on sait ses points. Et voilà. Par contre cette map est vachement petite et en plus elle est pas scriptée à 100%, vous allez voir pourquoi. Putain mais va te faire en...
Bim, 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 bim. Oh! Bon, hop. C'est pas beau ça. C'est dans le petit x2 aussi. Il y a vraiment au dernier moment. Allez hop. Ils me font flipper sur Black Ops 3 parce que ça grignote plus comme avant, donc ça m'inquiète encore plus. J'ai l'impression qu'il va se barrer à chaque fois. Et là je flingue à la con, bordel. Vous avez la Kuda. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Hop là. Machine, enfin la machine de mort, on a un paquet, j'ai l'impression. Alors du coup, il s'est fait trancher la tête, bim. Et du coup, on va ouvrir là. Hop. Ok. Donc, il faut activer le courant. Là, on a une autre porte. D'accord, ils peuvent arriver par là, les enfoirés. J'ai eu la chance. Ah putain. Il faut qu'on sorte de là. Parce qu'en fait voilà, on a activé le courant mais c'est une impasse. Voilà, parfait. Ça a ouvert ça. On est dans une petite cour extérieure. Voilà, le couteau Bowie qu'on prend. Donc là on peut pas y aller. Par contre, on peut y aller. Et ici aussi, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va ouvrir là. Oh, regarde, KN44, c'est l'intérieur du monde. C'est pas la bonne porte, j'ai confondu. C'est le... Ah, c'est là que je voulais venir. Et vous montrer un truc sympa. Regardez comment il est. Il est en mode wesh. Il est en mode pénouse. Il boit sa petite bière et tout là. Sa petite mousse tranquille. Putain, on peut pas y aller, dommage. Tranquille, on crée une boire le mec. Et là vous avez la Vesper. Hop. Donc nous on va se casser, on va pas rester là. On va aller se foutre là, voilà. Donc là en fait ce couloir ça ramène là, hein. Il y avait deux accès au début. Une fois que j'ai ouvert la première porte, j'ai préféré ouvrir sur le côté. Voilà, et là c'est magnifique, franchement je trouve ça stylé ce qu'il a fait. Franchement c'est vraiment beau ce qu'il a fait, il a vraiment géré. Qui va bien. Je fais une petite caisse, hop. Locus qu'on a déjà amélioré plusieurs fois pour voir ce que ça donnait. C'est un, voilà, on va jouer un petit peu avec ça. Voilà, manche 9. Donc ouais, je vous fais pour le moment des cartes assez rapides à faire et assez courtes pour ouais, que ça dure pas longtemps. Mais après je vous ferai, vous rassurez-vous, une vidéo sur une carte qui est vachement grande, hein, vraiment sympa. Et si je peux, j'essaierai de la faire en multi, histoire qu'on puisse se régaler. Hop, 48 dredge. Voilà, une arme lourde.
Y a un atout au fond, je l'avais pas vu, donc là vous avez vu, il y a le truc pour se téléporter, mais on peut pas se téléporter sur cette map en fait. Donc en dessous on peut tourner si on veut, voilà, on peut y aller. Mais je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc déjà je vais vous montrer le glitch, s'il marche encore. Hop. Donc là vous avez vu, vous avez Pack-a-Punch. Vous pouvez pas vous téléporter, mais vous avez le Pack-a-Punch quand même. C'est qui est sympa. D'ailleurs qui est Broly dessus. Alors si ça marche normalement, on va voir ça. Voilà, ils sont bloqués. Ah, c'est pas encore bien patché. Je vais vous montrer l'autre bord de la scène, c'est pareil, regardez, hop. Bah alors les gars, donc ils vont me suivre, allez hop, suivez-moi. Ah, c'est pas encore bien patché, c'est comme nous, regardez, si j'y vais, hop, je suis bloqué. Faut que je saute, sinon je me sors pas de là. Munitions. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller chercher passe-passe, enfin les atouts manquants, hop, qui sont passe-passe comme je vous disais, juste là, hop, et tir rapide qui est, si je me rappelle bien, ouais là, voilà. Vous avez, c'est ce que je vous disais, le chemin, ça ramène tout simplement. Une buff, ça m'a fait mal, ça ramène simplement là, voilà. C'est pour ça que je vois pas, comme ça j'ai un long corridor rien que pour moi. Ah oui, je peux me foutre dedans aussi. Ça, ça passe à travers, attendez. Ah, il faut que je me fasse tuer. Parce que je voulais pas acheter ça comme un tout, je voulais acheter, bah... Le... Merde, le... Weird, je sais plus quoi, le truc d'araignée, là. Je vais vous montrer. Fallait que j'achète ça. Windows Win. Ah là là là. Bah tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, parce qu'on va faire un certain des points améliorés, et je pense qu'après on s'arrêtera là. Voilà. Je t'imagine avoir une maîtresse comme ça. Ouais. Vous avez vu qu'il y avait une date en dessous de, du cursus. Regardez ton bas, c'est écrit en l'écriture romaine. C'est 2000... ...2258. Donc quoi, c'est la date d'invention de l'arme, je pense. 2258. Putain, le mec, il s'arrête pas de tirer. Bon, alors on va aller l'améliorer. Vous avez plus pas le... pour faire enfin, bizarre, il n'y a pas le son, il n'y a pas le... Bon, le chromé, c'est un... Enfin, le camouflage, c'est un truc basique, hein. C'est un chromé... qu'on a eu souvent l'habitude de voir. Voilà, j'essaie de vous trouver un endroit où on voit assez bien. Voilà, c'est un chromé normal, c'est un chromé qu'on a sur l'ordinateur. Hein. C'est assez basique hein. Ah d'ailleurs les chiffres. Ah non, les chiffres sont toujours présents, d'accord. Pour moi. Voilà. Du
Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, à mon avis. Je suis lancé de caisse comme ça pour le fun. En attendant, je vous invite à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Allez checker ma chaîne pour voir les autres vidéos que je vous propose. Je propose donc, comme je vous disais, d'autres cartes sur le custom de Black Ops 3. Des parties commentées sur le multi Black Ops 3. Je propose aussi du Battlefield 1 donc, sur de la bêta et sur le jeu qui va bientôt sortir. Ou qui est sorti, ça dépend quand je mettrai cette vidéo. Voilà, je propose pas mal de types de vidéos. Je propose même du Heroes en général, du Verdun, du Rust, voilà. Et même du custom zombie sur Wardatoire. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien en attendant. Salut tout le monde.